إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Tout louange, tout grandeur, tout remerciement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, les fins paix avec nous, témoigne encore une fois majorité pendant le mois de Ramadan et qui Ramadan n'y approche à sa fin. Aujourd'hui, c'est dernier Jumu'a dans le mois de Ramadan et chaque année nous connaît Ramadan n'y finit afin qu'il nous entraîne nous-mêmes pour qu'il nous capable de faire face à sa 11 mois qui peut venir après là. Depuis le commencement de Ramadan, nous peut tendre, nous peut venir même, Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrire Rosa afin qu'il nous gagne taqwa. Alors il est important pour quand Ramadan prêt pour finir, nous fait un bilan, nous guetter, est-ce qu'il vraiment nous fait profiter avec le mois de Ramadan, est-ce qu'il vraiment nous fait acquérir taqwa pendant 5 mois là, est-ce qu'il vraiment nous taqwa fait augmenter pendant 5 mois là, ou bien Ramadan peut terminer et ce qui nous fait profiter c'est seulement la faim et la soif. Est-ce qui dans le mois de Ramadan nous fait profiter ou bien ce mois Ramadan là fin passé pareil comme à tout le monde les autres mois qui nous habitent vivre dans cette année là et n'a parmi nous peut-être ni capable ni peut content qui le mois de Ramadan peut terminer. Alors inchallah dans nous khutbah aujourd'hui nous pourrait un petit peu certains manci pour nous connaître, est-ce qui nous permet, ben qui nous fait profiter avec le mois de Ramadan, ou bien nous pas fait profiter, et qui quantité nous fait profiter avec ce mois-là. Alors un premier signe qui peut montrer un djimoun n'est pas fait profiter avec Ramadan, c'est qui à ce là même, il peut finir commence content, il peut finir commence réjouir que Ramadan pour terminer. Alors sa qualité djimoun là, quand Ramadan, il connaît peut coûter, l'île déjà fini commence gagne un amertume. Quand Ramadan peut rentrer, il n'est déjà pas content. Quand l'idée de Ramadan, il sent mal à l'aise. Et là, il peut presser quand Ramadan pour terminer. Alors, il n'y a pas de doute que sa qualité du monde là, il n'est pas un du monde qui peut profiter avec Ramadan. Mais un vrai musulman, pareil comme il est content quand Ramadan peut coûter. Il est content quand Ramadan finit de rentrer. Ça, la joie et sa contentement là, fait lui profiter avec le mois de Ramadan. Alors, comme ça même, quand Ramadan peut terminer, il peut ressentir un certain chagrin au fond de ce léquier, quand il peut réaliser la valeur de ce mois-là. Et il peut réaliser que ce que Ramadan finit avec ça, tout peut aller. Tout le thawab que Ramadan finit avec ça. Tout le pardon que Ramadan finit avec ça. Quand Ramadan peut finir, puis aller. Alors, tout ça, le thawab là, tout ça, le pardon là, puis aller ensemble avec lui. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au commencement du Ramadan, il habite, annonce ce man sahaba, il dit à Zut Ramadan, fin vin à Zut, un mois béni, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin fier sur le zafaraz de Zut, pendant laquelle, ban la porte de Jannah a ouvert, ban la porte l'enfer fermé, ban Satan solide est enchaîné, et là-dedans, il y a la nuit qui meilleur qui mille mois, c'est lui qui finit privé de ça, certainement il finit privé de tout le bien. Alors quand Ramadan peut terminer, ban la porte l'enfer pourrait ouvrir. Ban shaitan, ban gros djinn, je pourrais larguer. Ban pardon et ban thawab qui attaché avec Ramadan peut aller. Alors tout ça là, quand un musulman il réfléchit là, ça lui fait du chagrin. Quant à celui qui il est content, qui Ramadan peut terminer, alors peine à doute qu'il est point de djinn, qu'il n'est pas pour profiter avec le mois de Ramadan.
Alors, est-ce que sa qualité du monde là, nous sommes capables de dire qu'il peut profiter avec le mois de Ramadan, il profite avec le mois de Ramadan, alors chacun lui répond lui-même. Et un deuxième point, comment nous pouvons connaître ce qui nous fait profiter avec Ramadan? Nous devons guetter, est-ce que nous encore peut persister dans nos ban haram ou bien nous fin arrêter? C'est lui qui Ramadan tient l'occasion pour lui arrêter avec ban PC qui tient dans la vie, ban désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala qui tient, ban mauvais comportement, ban vilaine manière qui tient dans lui. Alors alhamdoulillah, nous capables de dire c'est un bon signe qui peut montrer ça du monde là, il peut profiter avec les mois de Ramadan. Car c'est ça l'entraînement qui nous gagne à travers Rosa. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Rosa c'est pas l'abstention de manger et boire. En vérité Rosa, c'est l'abstention des bonnes causes inutiles et bonnes obscénités. Alors, quand un djimoun lit dans le Ramadan, cela vit toujours rempli avec bonnes PC. Yoko en a ban vilaine manière, yoko en a ban mauvais comportement, yoko pe mal habillé, et ainsi de suite, ban les autres PC qui en a dans la vie, alors c'est un signe qui sa dit moun la, li pan profiter avec Ramadan. Ou bien l'autre catégorie, dit moun qui lit, l'insens sur la vie de Ramadan. Seulement, un sans qui partit la sincérité là-dedans. L'in finit sans e, l'in arrêté avec ban PC, mais l'in peut attendre quand Ramadan finit pour qu'il est capable de continuer avec ban PC, qu'il y peut faire avant. Et au contraire, il est capable de ramasser des torts d'un PC qu'il a fait rater quand Ramadan peut terminer. Alors, est-ce que sa qualité du monde là, nous capable de dire qu'il fait profiter avec le mois de Ramadan? Ou bien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, combien ban rosé d'ar, combien ban qui gore rosa, je ne profite pas non, excepté la faim et la soif. Et un parmi ban signes clés encore, qui montre qu'un djimoun, il n'a pas profité avec le mois de Ramadan, c'est son négligence concernant Salat Faraz. Alors, un parmi ban l'entraînement qui nous gagne dans le mois de Ramadan, c'est nos rapprochements avec ban masjid et nos sériosités de salat. Alors normalement quand Ramadan rentre, un musulman il peut convaler Ramadan. Alors il peut mettre un serrier, il peut commencer sans se latitude envers salat. Si tu as un petit peu de négligence concernant ce salat, il commence corrige lui-même quand Ramadan rentre. Il peut arrêter de salat fajr, il peut faire des efforts pour venir au masjid 5-10 minutes bonheur pour lui gagner premier saf, il peut accomplir ban sunna ratiba, il peut débouter avec imam pour faire salat tarawih. Et Michel il pas fait manque ce ban salat en jamaat de masjid, et madame pas fait faire salat en déolé. Alhamdulillah, ça c'est ban bon signe qu'un djimoun il peut profiter avec le mois de Ramadan et l'entraînement qu'il peut gagner dans Ramadan, qu'il y vise prend ça, il continue à appliquer en déolé le mois de Ramadan. Mais c'est lui qui dans plein Ramadan il pas montré aucun intérêt pour salat. Il fait sahri après il a dormi. Il pas fait salat fajr. Il pas fait efforts pour lui gagner premier saf, pour gagner premier takbir. Tout le temps il peut venir salat en retard. Il peut rater ban salat ban sunna ratiba. Un homme peut encore faire salat dans la case. Une madame peut encore faire salat en dehors au soleil. Ou bien peut attendre un dernier lait à la li pour faire salat. Alors ça c'est ainsi qu'un djimoun il pas fait profiter bien avec Ramadan. Alors Ramadan fin vin comme un cadeau depuis Allah subhanahu wa ta'ala devant lui, mais seulement il n'est pas fini de conduire ce cadeau-là. Alors, mon frère, mon soeur, connaît qui soit là, c'est un parmi les plus grands ibadet dans la vie d'un musulman. Si nous trouvons qu'un djimoun yoko est en négligence concernant soit là, alors connaît qui c'est un mauvais signe, parce que soit là étant deuxième pilier de l'islam, le plus important qu'il rosa. Pareil comme un djimoun, il peut faire des efforts pour les gars rosa, les bizarres font deux fois plus d'efforts pour qu'il fasse salat comme un bizarre, comme Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne lui. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ban qui abandonne jamaat, ban zom qui abandonne jamaat, c'est-à-dire se faire salat dans la case, il dit qui va l'arrêter avec ça, sinon Allah subhanahu wa ta'ala pousse les autres l'équerre, ensuite ban la zobouvine parmi ban insouciant. Et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait nous connaître, gravité, sa action là, un djimoun li commence à gagner une chose de ce kabar même, un anse pour craser sur la tête avec un gros rosse et sa rosse ça pour rouler pour aller, sa djimoun là sur la tête pour revenir pareil, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire sur la tête revenir pareil et li pour répéter sa action là jusqu'à Qiyama. Et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala li dit, concernant un ban qui se fait salat, on dit au soleil, li dit, fawailul lil musallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون مالير ou bien destruction l'eau ban qui je te fais salat ban qui je te fais négligence concernant salat, c'est à dire je te retarde salat, je te fais en dehors solaire. Alors mon frère, ma soeur, c'est lui qui les fait toujours continuer et n'a son négligence dans les mois de Ramadan concernant salat. Alors ça c'est un mauvais signe de ce port. Et comme ça même un bon musulman, c'est celui qui l'icône valait Ramadan
et lui connaît qui c'était l'occasion pour ben PC qu'il y finit acquérir les gains pardon depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de ça, il augmente son man thawab, il acquérir beaucoup de récompenses depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il peut augmenter ben ibadet qu'il peut faire pendant ce mois là, surtout ben sunna comme ben sunna ratiba, ben sunna qu'il nous fait avant ou bien après chaque salat et salat tarawih, afin qu'il s'agit de l'acquérir beaucoup de thawab et il mérite pardon depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est lui qui malgré le ramadan il ne peut pas mettre en pratique man sunna ratiba, ou bien il y a encore fait négligence concernant la salat tarawih. Alors ça aussi c'est un signe qui vient pas bon. Alors un qui quand il demande à Ibn Mas'ud radiallahu anhu, nous pas capable de faire qiyamul layl, c'est-à-dire nous pas capable de faire salat pendant la nuit, pas pour cause concernant ramadan là, là pour cause en dehors ramadan. Un dimoun pas juste dans ramadan il fait qiyamul layl, pas juste dans ramadan il fait salat pendant la nuit, mais même en dehors ramadan bizarre dans sa pratique là. Alors un dimoun peut demander oh Ibn Mas'ud, nous pas capable de faire salat pendant la nuit. Alors, il finit répondre, il dit, tu ban PC, fin paralyse-toi. Quelque chose qui peut empêcher toi, faire salat pendant la nuit, c'est tu ban PC. Alors, arrêtez avec ban PC. Et comme ça même, Al-Hassan, rahimahullah, radiallahu an, six enfants de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, ban en pose une question, nous pas capable de faire qiyamul layl, nous pas capable de faire salat pendant la nuit, il dit, tu ban PC, fin attache-toi. Et Al-Fudail ibn Iyad, il dit, si tu pas capable de faire salat pendant la nuit, et garde Rosa pendant la journée, connais qui tu es mahroum, tu ban PC financier toi. Alors, apporte Kenjimoun, ça ban PC là, puis empêche lui pour faire salat pendant la nuit. Puis vine une cause pour qu'il m'a dit, il pas fait salat pendant la nuit. Il reste qui ça dit moun là, les bizet pardon, et puis Allah subhanahu wa ta'ala compte ça ban PC là. Alors, peine à doute qui bizet n'en zéfo, bizet n'en sacrifice de la part d'Enjimoun pour qu'il reste faire salat pendant la nuit, surtout pendant le mois de Ramadan. Et concernant ban sunna ratiba, Imam al-Qurtubi rahmahullah dit, c'est lui qui continuellement lui délaisse sa ban sunna là, ça c'est un manquement dans ce dîn. S'il délaisse ça pour sous-estimer lui ou bien il pas intéressé avec lui, il dit ça c'est l'immoralité. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmahullah dit, c'est lui qui persiste de délaisse sa ban sunna là, ça prouve qu'il n'a tigit même dîn dans lui. Alors nous tous nous visons thawab. Nous tous nous visons récompense depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Nous visons pardon depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala lui peut donner nous thawab en quantité. Lui disposer pardonne nous, mais seulement là aussi nous pas trouve l'importance pour faire des efforts qui bizin. Là aussi nous trouve qu'il nous encore peut faire négligence. Là aussi nous trouve qu'il y a un petit effort, un petit sacrifice nous pas oulé. Mais comment est-ce qu'il nous pourrait jannah? Est-ce qu'un dimoun n'y pas fait effort, n'y pas fait sacrifice, ensuite il peut demander Allah subhanahu wa ta'ala ou Allah fait magaï janna, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner lui. Alors peine à doute que ça c'est un signe, que ça dimoun là n'y pas fait profiter avec le mois de Ramadan. Et un autre signe encore, c'est qu'un dimoun n'y perdit sur les temps. Il fait une perdue sur les temps pendant le mois de Ramadan. S'il existe une perdue sur les temps avec une petite chose inutile, c'est-à-dire pas une petite chose qui est haram, mais une petite chose qui est capable de faire après Ramadan, ou bien une petite chose qui est capable de faire pour profiter ni de la dunya, ni de l'akhirat, mais seulement il n'y a pas un PC. C'est-à-dire que s'il existe une perdue sur les temps dans une petite chose inutile, alors il n'y a pas un monde qui fait profiter avec le mois de Ramadan comme un bizin. À ce stade, si ça dit qu'il y a une perdue sur les temps avec une petite chose qui est haram, alors ça n'a pas été beaucoup grave devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il fait une gagne en faveur, le faveur de Ramadan, encore une fois dans la vie, mais il fait une donne coupée de sa faveur là, et il fait montrer qu'il est un grand envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, qui, dans le commencement de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait un ange et sa ange à lui crier, oh c'est lui qui désire le bien. Approchez, costez, ou celui qui désire le mal, arrêtez, éloigne-toi. Alors, sa ange a l'épée fait doua pour celui qui n'a envie de bien. Oh Allah, donne-lui encore. Oh Allah, fais-lui costez, mets un barakat dans ce ban du bien. Mais c'est lui qui lit, il n'a pas voulu du bien, il voulait le mal, il n'a pas envie de profiter avec Ramadan. Ça en a peut faire bête doigt contre ça du monde là. Alors si nous guettons aujourd'hui même une semaine pour que Ramadan termine, et là, comme on dit, ce Ramadan depuis longtemps fini. Et là, pour lui, Ramadan infini, l'infini commence avec un shopping pour Eid. Shopping Eid infini, une plus importante qui Coran, qui doit, qui zikrullah.
jusqu'à même sur la Tfaraz, s'il faisait rater pas faire Noël, il faisait stélaise. Il dit, dans le mois de Ramadan, il y a du monde, il fait shopping, soit là, il pas faire. Nettoie la case, décore la case, lave la case, préparation Eid, pli important, qui se fait faux, pour qu'il mérite une place dans Jannah, et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala se oublie depuis l'enfer. Est-ce que sa qualité du monde là, le capable de dire, il peut profiter avec le mois de Ramadan? Alors, mon frère, mon soeur, ça c'est une réflexion qui nous vient faire avant la fin du Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour qu'il nous vienne parmi man qui fait profiter avec le mois de Ramadan. Amen. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Un autre parmi les signes qui montrait qu'un jeune pas qu'il profite avec le mois de Ramadan, c'est qu'il ne fait aucun effort pour qu'il gagne la nuit de Laylatul Qadr. Et la nuit qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les causes concernant ça, il dit certainement, sans moi, il fait une vie azote. Là-dedans, il y a la nuit qui est meilleure que 1000 mois. C'est lui qui finit privé de lit, certainement, il finit privé de tout bienfait. Et personne ne peut être privé de ce bienfait, excepté un mahroum. Alors, comment est-ce qu'un jeune est capable de connaître et la nuit parmi les 10 dernières nuits de Ramadan, qui est meilleur que 1000 mois, alors ça dit que là, il n'a pas fait aucun effort pour lui gagner sa qualité la nuit là. Est-ce que ça c'est un signe qui dit que là, il peut profiter avec le mois de Ramadan, peu n'a doute que c'est le contraire. Et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est lui qui déboute pendant la ilatul qadr avec iman et avec l'espoir du thawab, il peut être pardonné pour ce péché du passé. Alors, un jimoun qui lit ni salat tarawih, ni dua, ni Quran, ni zikrullah, non, il n'y a pas de faire pendant sa 10 dernière nuit de Ramadan là, qu'il en profite un sommeil profond, sans même en profiter. Mais pose nous même la question, mais quelle différence est entre toi avec sa kafir qui lit, il ne connaît même qui était Ramadan, il ne connaît même qui est dans la Laylatul Qadr, comment il arrive là pour y dormir, il n'y a pas dormi. Et toi, musulman, tu bien connais qui appelle la Laylatul Qadr, tu bien connais qui, dans sa 10 dernière nuit là, il y a la nuit là, donc Allah subhanahu wa ta'ala fin mette, qu'il est meilleur qu'il 1000 mois. Alors, comment est-ce que ça dit mon là? L'idée c'est qu'on va aller à la Laylatul Qadr, mais il n'a pas fait aucun effort pour lui profiter avec ça la nuit là, et il est capable, un jimoun qui fait profiter avec le mois de Ramadan. Et nous terminons avec un dernier point. Parmi les signes qui montrait, un jimoun n'a pas fait profiter avec le mois de Ramadan, et ça est extrêmement grave, c'est qu'un jimoun n'a encore pas persisté dans ce légalement. Il y a encore une shirk de son aqida. Il y a encore une fausse conception. Il y a encore une conception mal propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a encore une fait ibadat qui mélange avec bid'a. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith, il dit quand un mu'min pour s'arper depuis l'enfer et je fais une gain et sécurité, il dit c'est moi ou c'est lui qui m'a la vie de cela, mais dispute qui a parmi eux les gagner avec ce compagnon concernant un droit qu'il méritait de sa dunya là, les pouplis durs qui dispute qui un mu'min pour gagner avec ce robe concernant ce ban frère qui finit admis dans l'enfer. Après qu'il y a un musulman, certaines man qui méritent l'enfer, ils finissent par les conséquences de péché dans l'enfer. Je peux rentrer dans Jannah, c'est-à-dire pas pour une encore musulman qui vous saute dans l'enfer pour rentrer dans Jannah. Quand tout ça va de musulman là, finir de Jannah, ben là peut discuter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, concernant qui chose je peux discuter, il dit, ça discute là, les plus dieux qui comme à dire, il dit, mon, tu prends ton droit, tu peux discuter avec lui. Je peux discuter avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire une discussion qui est bien sûr. Alors, maintenant je peux dire, oh nous rab, je peux cause avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous, ben frère, tu fais salat ensemble avec nous. Je t'ai fait, je t'ai dit, ensemble avec nous, nous trouvons des masjid. Je t'ai fait garde rosa ensemble avec nous. Banlan fait hajj ensemble avec nous. Je t'ai fait jihad ensemble avec nous. Mais qui fait te permettre de dans l'enfer? Alors, si tu fais ibadet comme ça, il n'est pas suffi, mon frère, ma soeur. Si tu fais ibadet, je peux faire namaz, je peux garde rosa, je peux faire hajj, je peux donner zakat, il n'est pas suffi. Est-ce qu'il nous peut rassurer nous-mêmes qu'il nous peut faire comme abizan? Est-ce qu'il nous peut rassurer nous-mêmes qui dans sa ramadan là, je vais mettre moi le chemin droit? Est-ce qu'il me fait rassurer moi-même qui, dans mon aqida, mon enlève, ben, qui soit shirk, ce qu'il y a? Est-ce qu'il me rassure moi-même qui, comme on peut faire mon ibadet, mon arrêté avec ban bidra, mon arrêté avec ban qui soit, qui dit mon fin inventé de sa ban ibadet là? Alors, si un jimoun, les fin vivre un ramadan, un mois de la guidance, un mois que le Coran fin descend, mais seulement, il pan pour, dis-toi attention, il pan gagne, dis-toi traka, qui lui bizarre, guetter attention, qui m'a le chemin de l'égarement, alors, comment est-ce qu'il s'agit de moun là, nous capables de dire,
peut profiter avec le mois de Ramadan. Alors, mon frère, ma soeur, tout ça là, c'est mon point qui peut montrer nous qu'un dimon n'est pas profiter avec le mois de Ramadan. Mais connaît que Ramadan, ce n'est pas une badinaz. Il n'est pas qu'on m'a dit une petite chose, Ramadan est fini, je vais profiter ou bien je ne vais pas profiter, le temps est fini, il n'y a correct, car c'est mon gars, continue, mon avis. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, il dit une fois, Jibril, il présente à lui, quand il peut monter au mimbar, trois coups quand il peut monter, le sac perron, il peut dire Amin, Amin, Amin. Alors, ben, sahaba, je demande lui, oh, ya Rasulallah, mais qui fait au fin de Amin? Il dit, Jibril, alayhi salam, il présente à moi, et il fait parmi les petites choses qu'il fait dire, il fait avoir une malédiction, il fait dire, qu'il y périr, qu'il y gagne malédiction, qu'il y fini. Ça dit, moun, qu'il y joue Ramadan, mais seulement, il n'y a pas fini d'être pardonné. Il joue Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne-toi une occasion encore pour joindre le mois de Ramadan, mais seulement, tu ne donnes coupé de sa faveur là. Tu ne vives Ramadan pareil, comme à tout ban les autres mois. Tu ne pas faire aucun effort pour qu'il te gagne un petit peu pitié, un petit peu pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne pas faire aucun sacrifice pour te gagner un petit peu de thawab depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, alors mon dieu amin, oh Allah, accepte le doua qui Jibril fin faire au sadi mounna. Accepte le doua qui Jibril fin faire pour qu'il te gagne, pour qu'il y avoue une malédiction au sadi moun qui pas fin profiter avec Ramadan là. Alors un dieu moun lui vient poser même la question, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut mettre ce pardon dans ma disposition. Qui qualité malheureux, moi pour malheureux, si par ma propre négligence, par mon progrès, je ne peux pas bénéficier avec pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui pour me sauver le jour du Qiyama, qui Allah subhanahu wa ta'ala, fin fait moi témoin le mois de Ramadan, me fin traverse un mois Ramadan au complet, mais seulement je ne peux pas fin profiter avec ça moi-là. Alors, mon frère, mon soeur, c'est une réflexion qui nous a fait avant la fin du Ramadan. Mais malgré ça, connais mon frère, mon soeur, qui Ramadan n'est pas encore fini. Allah subhanahu wa ta'ala, sur la peau, tauba encore ouvert. Il est encore disposé pour pardonner nous. Nous encore, il y a le temps pour nous sens de la vie, dans ces quelques jours qu'il y a là. Alors, si nous pouvons sentir qu'il y en a un ou bien plusieurs parmi sa mancine, qui peut montrer nous pas finir profiter avec le mois de Ramadan, ou bien nous profiter, seulement nous profiter bien tiquit avec ce mois-là, alors connais qu'il n'est pas encore trop tard. Fais tauba avec Allah subhanahu wa ta'ala, un tauba sincère, afin qu'il nous parvienne parmi man qui pour mérite ce finition, et nous pour mérite malédiction de Jibril alayhi salam. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne nous pour sa man négligence qui nous finit là et nous commence à mettre un sérieux dans le man ibadet. Nous arrêter avec ban haram dans le mois de Ramadan. Nous arrêter avec ban négligence concernant ban salat faraz, concernant ban sunnah ratiba, concernant ban salat pendant la nuit, concernant la salat tarawih. Nous arrêter et perdre le temps de man qui sont inutiles. Nous commençons à faire des efforts pour qu'ils nous gagnent la nuit de la Toukhad et nous arrêter et persister. L'eau nous manque légalement, mais nous faisons des efforts pour nous gagner la guidance. Alors nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fait nous témoigner la fin de Ramadan et lui fait nous témoigner encore beaucoup de Ramadan dans nous la vie pendant qu'il nous peut jouir une bonne santé, qui lui fait nous profiter beaucoup plus avec ça quelques jours qui restaient dans le mois de Ramadan là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous, mon frère, nous, mon soeur, qui pas fin profiter avec le mois de Ramadan, lui fait les autres réalisent et réagravent qu'ils ont fin faire et lui aide les autres pour les faire taouba, pour les commencer à venir serrer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui protège nous contre ce punition, contre ce colère et contre ce malédiction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il allège aussi souffrance de l'humain frère, l'humain soeur de Palestine et tout mon frère, mon soeur musulman qui a des difficultés entier le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne l'humain péché et lui mette de la jannatul firdaus. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.